Welcome to Ramaphosa Gospel Church, Pretoria, a place of refuge and deliverance under the leadership of Apostle Narcisse Magina. Get ready to receive and experience a message that will change your life. God bless you. You may be seated. Alors, la fois passée, j'avais dit pour servir Dieu, il faut identifier et réajuster votre profil en tant que fils. Quelqu'un peut dire amen? Donc, il faut identifier et puis réajuster votre profil de fils. Et j'ai donné 7 catégories de fils. Je crois, je ne sais pas ici, j'avais donné combien pour ceux qui étaient venus au deuxième culte, mais pour certains, c'était 5. Mais il y a au total 7. Je parlais de fils prodigues, de fils aînés. Et je parlais des fils de la race d'Absalom, je parlais de Judas, je parlais des différents types, je parlais des différents. Ouais. Oui, les fils obstinés et rebelles. Et puis quoi encore? Les fils bien-aimés, et qui étaient les derniers profils. Mais je vous ajouterai plus tard sur Géasi que j'ai donné au premier culte, et puis les fils de la race de Judas, tout ça. Et chacun de vous doit s'identifier par rapport à ce genre de fils et puis réajuster son profil en tant que fils. Et c'est alors que vous serez capable de servir sous côté d'un père. Et dès l'instant où vous ne vous identifiez pas et que vous ne réajustez pas votre profil de fils, vous aurez des difficultés pour servir sous l'autorité d'un père spirituel. Et le profil le plus meilleur pour servir Dieu sous l'autorité d'un père spirituel, c'est d'être un fils bien-aimé, c'est-à-dire un fils à la taille de Jésus. La relation qu'il avait avec son père. Quelqu'un peut dire amen? Moi et mon père, nous sommes quoi? Nous sommes un. Donc l'unité était vraiment le premier caractéristique d'un fils. Et puis nous avons parlé, il imitait le père, il faisait ce que le père voulait. Le père ne fait que ce qu'il voit le père, le fils ne fait que ce qu'il voit le père faire. Donc en d'autres termes, il avait un modèle, le modèle c'était le père. Et puis il a achevé ce que le Père lui a demandé parce qu'il va à la croix et il dit tout est accompli. Donc Jésus n'a pas laissé un travail inachevé par rapport à la mission. Vous êtes fils dans l'église, il faut apprendre à achever les responsabilités que nous vous donnons. Donc c'est vraiment Christ est le profil, vraiment le meilleur profil des fils. Alors aujourd'hui nous allons passer au deuxième chapitre. C'est que pour servir sur tout un père spirituel, il faut connaître et imiter les modèles d'Isaac, fils d'Abraham. Je répète, il faut connaître et imiter les modèles d'Isaac, fils d'Abraham. Donc Isaac aujourd'hui va nous servir de modèle. Rappelez-vous 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11. Dit que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, en d'autres termes. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament a été écrit pour notre quoi? Instruction. C'est-à-dire que l'histoire d'Isaac et Abraham dans ces textes au sujet du sacrifice a été écrit, selon ce verset de 1 Corinthiens, pour nous servir, nous, d'exemple et d'instruction. C'est-à-dire nous tirons les instructions, nous tirons la sagesse, nous tirons les enseignements en regardant ce que les autres ont connu avant nous. Et alors rapidement, écrivez « Vue générale sur le profil d'Isaac ». Vue générale sur le profil d'Isaac. Je demande aux personnes qui n'écrivent pas vraiment d'écrire parce que c'est de cette façon que vous montrez de l'attention par rapport au cours et à l'enseignement que je vous donne. Alors, vue générale sur les profils, j'ai insisté au premier kit, il ne faut pas écrire vie, hein? Il faut écrire vue. Oui, il faut écrire vue. Qui en anglais se rapporte à view. Voilà. Alors, notez ceci. Isaac est une grande école de formation pour tout fils qui veut servir et émerger sous la conduction d'un père spirituel. Isaac est une grande école de formation. Je vais m'ajouter des sagesses aussi pour tout fils qui veut servir
et émerger sous la conduction d'un père spirituel. Donc quand vous regardez ces textes, Dieu demande à Abraham d'aller offrir Isaac son fils. Et puis il commence le voyage. Abraham prend le bois, il le met sur son fils. Et puis ils marchent tous les deux ensemble, arrivés sur les lieux. On les ligote. Donc, vous allez comprendre que, au fur et à mesure que nous allons apprendre aujourd'hui, vous arriverez à une conclusion que réellement, Isaac, c'est le profil parfait de tout celui qui veut servir et émerger sous la conduction d'un père spirituel. Donc, le comportement d'Isaac, c'est le même qui doit être appliqué par rapport aux personnes qui veulent servir au pied d'un père spirituel dans l'église. Et puis, deuxième chose, Isaac est le profil parfait d'un fils qui réjouit le cœur d'un père et lui permet d'accomplir sa vision. Donc, Isaac est le profil parfait d'un fils qui réjouit le cœur d'un père et lui permet d'accomplir sa vision. Rappelez-vous, et j'ai besoin de votre réponse, qui a demandé à Dieu, qui a demandé plutôt à Abraham le sacrifice? Répondez-moi s'il vous plaît, c'est qui? C'est Dieu. Et pendant que Isaac servait Abraham, automatiquement il réjouissait le cœur de qui? De Dieu. En d'autres termes, lorsque vous servez un père spirituel, vous répondez à ce qu'il vous demande, vous répondez à sa vision, c'est à Dieu que vous le faites. Mais ce qui est bizarre, c'est que Isaac ne savait pas que ce qu'il faisait là, il réjouissait le cœur de Dieu. Parce que, juste parce qu'il était un vrai fils, il s'est retrouvé en train de faire des choses qui réjouissaient le cœur de Dieu, tout en réjouissant le cœur de son père spirituel. Parce qu'en fait, un vrai père est le reflet vraiment des sentiments de Dieu. Parce que tout ce que je fais ici est dans l'intérêt de celui qui m'a appelé. Et ce qui fait que tout celui qui contribue à l'accomplissement de ce que je fais, en réalité, ce n'est pas d'abord à moi qu'il s'adresse, ce n'est pas moi qu'il bénit, qu'il réjouit. Il réjouit d'abord Dieu. Et comme moi, je suis lié à ce que Dieu m'a dit, automatiquement, je suis aussi réjoui. Et c'est la mentalité que vous devez créer. Quand je vous appelle à une réunion, quand je vous dis de faire une chose, en réalité, d'abord, ce n'est pas à moi que vous le faites. C'est à ce Dieu qui m'a envoyé. Donc, Isaac était en train de servir son père Abraham, physiquement parlant, mais spirituellement, c'est à Dieu qui répondait. Et dès l'instant où cette mentalité entre en vous, vous ne verrez jamais que je viens à l'église seulement pour papa, je viens à l'église pour qu'il sache que je suis là, je viens à l'église parce qu'il nous a appelés, mais je viens parce que le Dieu qui l'a appelé m'a aussi convoqué. Je peux avancer? 3. Isaac est un fils porteur des fardeaux du Père. C'est un fils porteur des fardeaux du Père. Quatrième élément? 3. Donc, vous voyez, Abraham avait le bois, il avait le feu, il avait toutes ces histoires-là. Il a pris le bois, paf, il l'a chargé sur le fils. Et le fils est devenu porteur des fardeaux du Père. C'est pourquoi on est en train d'insister que vraiment Isaac, dans la Bible, il est un profil vraiment parfait d'un vrai fils qui doit servir sous la conduction d'un père spirituel. Donc, il a porté les fardeaux du père. Le bois qu'il a porté n'était pas ses bois. Il n'en avait même pas besoin parce que lui était à la maison, il s'est reposé. C'est le père qui a chargé. Et il a pris les goûts, le plaisir, l'amour de prendre ce bois et d'avancer avec le père. Et une autre chose, Isaac est un fils qui marche toujours ensemble avec le père. C'est pourquoi vous voyez, il y a l'expression « ils marchèrent tous ensemble ». Ils marchèrent tous ensemble. C'est un père qui, c'est un fils qui marche toujours avec le père. Il marche toujours avec le père. Et puis, cinquièmement, Isaac est un fils prêt à se livrer en sacrifice. Prêt à se livrer en sacrifice. Ah, c'est la particularité. C'est pourquoi je dis dans la Bible, le profil d'Isaac en tant que fils
et presque à la dimension du Fils bien-aimé qui est Jésus-Christ. Parce qu'il a fait preuve de grandes qualités qui l'ont directement amené à la taille du Fils de Dieu par rapport à son comportement durant son ministère terrestre. Et bizarrement, prophétiquement parlant, parce que Dieu sait tracer les événements, Moridja sous lesquels Isaac a été offert dans l'avenir est devenu Golgotha. Donc vous voyez, il y a eu presque le profil de l'œuvre de la croix, mais dans l'Ancien Testament, parce que Isaac devait mourir, mais à la place d'Isaac, le bélier a été trouvé. Et c'est sous ce même lieu-là, Golgotha, où normalement nous, à cause de nos péchés, on devait être sacrifié et tué pour réjouir la justice de Dieu. Mais cependant, il y a eu un autre bélier en forme de Christ qui est venu pour mourir à notre place. Donc ce sont les événements qui se sont transposés d'une dimension d'ombre en une dimension de choses réelles. Et c'est pourquoi la Bible n'est pas comme votre livre d'école ou de l'université ou des sciences, de quoi que ce soit. C'est un livre prophétique. Et tout ce qui se passe à l'intérieur a une signification totalement prophétique qui influence les événements. Alors rapidement, maintenant, écrivez « Comment servir sous l'autorité de son père comme Isaac ?» Comment servir sous l'autorité de son père comme Isaac ? En d'autres termes, comment est-ce que vous pouvez imiter les modèles d'Isaac comme un profil d'un vrai fils ? Il faut porter les fardeaux et assumer les responsabilités que le Père spirituel vous confie. Je répète, il faut porter les fardeaux et assumer les responsabilités que le Père spirituel vous confie. Il faut porter quoi? Répondez-moi, il faut porter quoi? Le fardeau. Et assumer quoi? Les responsabilités. Vous ne pouvez pas prétendre servir dans l'église locale sous la conduction d'un père spirituel si vous n'êtes pas prêt à porter ces fardeaux et à assumer les responsabilités qu'il vous confie. En fait, ce qui rend utile un fils dans l'église locale, c'est sa capacité à porter les fardeaux du père. Regardez, nous sommes dans Genèse chapitre 22 verset 6 qui nous dit la Bible. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Le bois n'appartenait pas à Isaac, le bois appartenait à Abraham. Mais le fils était prêt à porter le poids, le fardeau. Et puis, qu'est-ce qu'il a assumé comme responsabilité? Transporter. Quelqu'un peut dire amen. Et vous devez savoir que chaque père spirituel a des fardeaux. Chaque père spirituel, il a des choses que Dieu lui a déjà mis à cœur pour l'église et pour son peuple. Et ces fardeaux-là, on ne peut pas les porter seul. Ces fardeaux-là, on les porte avec les fils. Ce qui fait que si Dieu a donné à votre père le fardeau de délivrer les gens, dès l'instant où vous venez comme fils à ses côtés, vous devez aussi porter le fardeau de voir les gens être délivrés. Quelqu'un peut dire amen. J'ai le fardeau de voir l'église grandir. J'ai le fardeau de voir les serviteurs être committed à l'église. Ça doit devenir aussi votre fardeau. Tu ne peux pas être fils si tu n'es pas capable de porter le fardeau du père. Malheureusement, nous sommes dans un temps où les gens portent les fardeaux des autres hommes de Dieu, les fardeaux d'autres ministères, pendant que celui qui t'est béni, c'est notre pasteur. Est-ce que sachez que par église et par homme de Dieu, chacun a un fardeau. Ce qui peut être un fardeau pour moi, ne peut pas être un fardeau pour notre pasteur. C'est pourquoi il y a des pasteurs, même s'il fait 2 mois, 3 mois, sans qu'il y ait de délivrance dans son église, sans qu'on chasse les démons, sans qu'on s'occupe des gens qui ont des problèmes, ce n'est pas un problème. Il n'a pas ces fardeaux dans son cœur. Mais il y en a dont le fardeau, c'est plus l'évangélisation. Il y en a dont le fardeau, c'est la sanctification. Il y en a d'autres, le fardeau, c'est l'enlèvement. Il veut que l'église soit prête pour l'enlèvement. Et tout, et tout. Mais il y en a d'autres, le fardeau, c'est voir les gens être délivrés des mauvaises influences. Et dès l'instant où Dieu t'amène au pied d'un père, tu dois connaître le fardeau du père. Et être capable de porter les fardeaux. Même l'œuvre ici que nous avons, c'est un fardeau. Et dès l'instant où tu soutiens l'œuvre, tu portes le fardeau. Quelqu'un peut dire amen. Et vous portez les fardeaux, mais on vous donne aussi des responsabilités. C'est pourquoi, notez ceci, quand le Père te confie une responsabilité, c'est une expression de considération et de confiance.
Quand le père spirituel te confie une responsabilité, c'est une expression de considération et de confiance qu'il t'a fait. Je suis sur le point de restructurer l'église bientôt. Parce que si chez moi, chacun sert pour un mandat d'une année, renouvelable, si je sens que la personne, disons, le peut encore continuer, mais ça dépend de la manière dont je fais moi-même mon constat par rapport au travail. Mais de la manière dont certaines personnes nous remercient dans l'église, et moi en tant que votre père, je dois être capable de vous le dire. Quand je te donne une responsabilité sur un département, et puis tu laisses cette responsabilité-là, sans jamais me dire merci et m'informer, tu dois savoir que c'est une forme de sabotage. Parce que quand moi je t'avais responsabilité, je t'ai donné la confiance. Je t'ai donné la considération. Vous savez que si je vous responsabilise aujourd'hui dans l'église, même votre niveau de respect, le niveau de respect que les gens vous donnent change. Quelqu'un peut dire amen. Si je te place aujourd'hui, je dis, parce que le père donne l'identité aux enfants. C'est le père qui donne l'identité. Il dit Abraham, tu ne seras plus appelé Abraham, tu seras appelé Abraham. En d'autres termes, père de la multitude. Quand le père vous donne une identité, ça vous donne une considération. Nous tous aujourd'hui, on appelle Abraham père de la foi. Père de la foi, pourquoi? Parce que le père lui avait donné une identité. Alors, quand je vous donne une identité à l'église, je vous donne une considération aux yeux des gens. Donc, il y a certaines considérations dont vous jouissez même au niveau de l'église qui émanent du père spirituel qui vous avait donné une position. Et dès l'instant où vous bafouez un département, vous quittez un département, vous disparaissez de l'église, sans me dire moi quoi que ce soit, vous avez saboté ma considération face à vous. Et je le répète, rejeter, vous pouvez noter, rejeter une responsabilité que le Père t'a confiée est une autre forme de sabotage et d'ingratitude. Moi, je t'aimais, toi, chef de la chorale, tu disparais de la chorale et sans jamais rien me dire. C'est-à-dire que tu estimes que you're not accountable to anyone. And you have place on that place by yourself. C'est pourquoi vous voyez, Dieu nous récupérera nous tous à la fin. Il dit, chacun de nous rendra compte devant Dieu. Donc, si vous refusez dans l'église de ne pas être un fils qui rend compte, mais au moins au ciel, Dieu va vous récupérer. Parce que tout le monde doit rendre compte de ce qu'il a fait de sa vie sur la terre. Et cette année, je l'ai dit dans le premier service, je te responsabilise. Le jour où tu as envie de quitter, montre-moi que tu me respectes. Et si tu me montres que tu me respectes, tu dois venir me dire que non, papa, je sens que je n'arrive plus. J'aimerais me retirer du département. Mais quand tu disparais sans rien me dire, je saurai aussi comment finir avec toi. Donc le Père, recevoir les responsabilités à assumer de la part de ton Père spirituel n'est pas une gloire. Mais c'est une lourde tâche. Parce que tu peux dire à ton voisin, ce n'est pas une gloire. Il ne faut pas être là, hein. Vous voyez maintenant, moi aussi mon temps vient d'arriver, vous allez voir maintenant dans cette église. Je vais maintenant aussi régner, ça fait longtemps qu'on a été dirigé par les autres. Gloire à Jésus, le Dieu qui a dit dans sa parole, humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel et vous élèverez au moment convenable. L'heure de la gloire est arrivée. Frère, soeur, ce n'est pas une gloire quand je te responsabilise. C'est une lourde tâche. Donc, il faut apprendre à porter les fardeaux et assumer les responsabilités. Avançons. Deux, comment servir sous l'autorité d'un père spirituel? Deuxième principe, il faut être attaché au père spirituel physiquement. Quelqu'un peut répéter pour moi physiquement. Je ne parle pas de l'attachement spirituel. Parce qu'il y a des gens, ils vont vous dire, non, même si vous ne me voyez pas, en esprit, on est ensemble. N'est-ce pas, l'apôtre Paul dit, absent de corps, mais présent en esprit. Ce n'est pas de ça que je parle. Je ne parle pas de la communion spirituelle. Je parle ici, si tu veux servir sur l'autorité d'un père spirituel, il faut être attaché au père spirituel. Comment? Quelqu'un peut répéter pour moi, physiquement. Physiquement.
Jean chapitre 22, verset 6. Genèse plutôt, chapitre 22, verset 6. La Bible dit, il les chargea sur son fils, c'est-à-dire le bois pour l'Holocauste. Les chargea sur son fils, ça c'est déjà porter le quoi ça? Le fardeau. Et puis il dit maintenant, et ils marchèrent tous ensemble. C'est l'attachement physique. Quelqu'un peut dire amen? Vous ne pouvez pas prétendre être en train de servir sur côté d'un père spirituel pendant que physiquement vous n'êtes pas avec lui. Et quand je parle de l'attachement physique, je parle de ta présence dans mes réunions, ta présence avec moi à l'église, ta présence pendant qu'on passe par des moments difficiles. Vous savez que l'église passe un moment très difficile au niveau planétaire. Oui. Je vous signale déjà d'avance qu'il y a beaucoup de mes amis qui ont fermé leurs églises parce qu'ils ne peuvent plus payer les loyers, les gens ne sont plus là et les gens ne reviennent pas à l'église. Et c'est pendant ces temps ici où nous avons besoin de voir le vrai fils. Parce que pendant ce temps, on a besoin des gens qui nous soutiennent. On a besoin des gens qui nous encouragent. On a besoin des gens qui nous obéissent. Et l'attachement physique a toujours été une preuve d'amour. Quelqu'un dit amen. Écris ceci, la marche spirituelle avec ton père spirituel est conditionnée par ta présence physique à ses côtés. Ta marche spirituelle avec ton père est toujours quoi? Conditionné par quoi? Donc tu ne peux pas prétendre faire une marche spirituelle avec moi. Oh, j'étais à ses pieds, j'étais avec lui, mais tu es absent de mon entourage physiquement. Ça ne s'explique pas. Ils marchèrent comment? Tous ensemble. Un vrai fils est là où son père spirituel est. Mais il y a des gens, vous entendrez, les jours où ils ont un malheur, ils commencent à réclamer que non, j'ai besoin de mon père spirituel. Mais ça fait 2 ans qu'on ne t'a pas vu à l'église. Et Jésus dit quoi dans Matthieu chapitre 12, verset 30? Celui qui n'est pas avec moi, il est quoi? Il est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi, disperse. Ce n'est pas moi, c'est le maître. Ce sont le principe. Le principe de l'attachement exige à ce que tu sois physiquement avec ton père spirituel. Mercredi, tu es avec moi à l'église. Vendredi, tu es avec moi à l'église. Dimanche, tu es avec moi à l'église. L'attachement spirituel ici, ce n'est pas que tu vas avec moi au restaurant, tu vas avec moi au marché. Non, ce n'est pas ça. Que tu voyages avec moi, non, ce n'est pas ça. C'est être avec moi dans la maison spirituelle. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, « Oh, papa, vous avez dit l'attachement. Lundi, tu es avec moi le matin. » Non, moi, je dois aller en prière. Ce n'est pas ça. Quelqu'un peut dire amen. Bien que ça peut arriver. Mais ce n'est pas de cet attachement dont je parle. Quand je parle de l'attachement physique, c'est ta présence dans la maison. Là où j'exerce mon autorité. Et je vais vous montrer une autre chose. Ici, c'est que le succès de ta marche spirituelle dépend aussi de ton niveau de ton attachement à lui. Le succès de ta marche spirituelle avec ton père dépend du niveau de l'attachement à lui. Avez-vous entendu dans les actes des apôtres, Bartimée et l'aveugle de Siloé devenir de grands évangélistes dans les actes des apôtres? Tout ce qu'ils sont venus suivre, ils ont venu chercher un miracle. Et puis ils sont partis. Mais les 12 n'étaient pas là pour le miracle. Les 12 étaient là attachés physiquement à Jésus. Et c'est comme ça que leur vie spirituelle a eu beaucoup de succès. Tu ne seras jamais, jamais, je le répète, sauf si tu veux faire un fils spirituel autodidacte qui se forme lui-même. Mais si tu veux évoluer dans l'église locale et percer dans ta vie spirituelle, ton attachement à ton père spirituel est conditionnel. Tous les enfants qui viennent à l'église, qui restent loin de moi, là-bas au fond, il y a aussi des choses qui resteront si loin d'eux. Dans l'église, parfois, Dieu peut me pousser à m'approcher d'un fils. Mais si Dieu ne me pousse pas, les fils doivent s'approcher. C'est comme ça. Ces histoires, oh, moi, mon pasteur ne me considère pas, oh, il ne m'appelle pas, oh, tout, c'est seulement les autres. Si moi, je ne t'appelle pas, toi, viens. Parce que l'évolution et la percée de ta marche dépend de cet attachement. Et écrivez que la cause fondamentale de tout vrai attachement, c'est l'amour. C'est l'amour.
Isaac a marché ensemble avec son père parce qu'il l'aimait. La cause fondamentale de tout vrai attachement, c'est quoi? C'est l'amour. 1 Samuel 18, 1. David avait achevé de parler à Saül et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David. Vous voyez? Là où il y a l'amour, l'attachement est automatique. Si tu aimes ton père spirituel, tu es avec lui. Que les gens quittent l'église ou pas, que les gens se refroidissent ou pas, tu es là. On a besoin de fils comme le Ruth. Dans chapitre 1, versets 16 à 17, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et vous voyez, c'est cet attachement qui a fait que Ruth, qui était d'une origine maudite, s'est retrouvée maintenant une femme et une fille dans la lignée royale. Comment se fait-il que quelqu'un qui est moabite, mais se retrouve dans Matthieu chapitre 1 comme une personne de la lignée de Jésus-Christ? Vous voyez, dans l'attachement, il y a un mystère qui se passe. Il y a des enfants qui viennent à l'église, mais votre origine par rapport à la famille biologique est une origine compliquée dans laquelle la sorcellerie, le monde des ténèbres et les malédictions vous détruisent. Ce qui fait que vous ne pouvez pas percer par vous-même si vous ne vous connectez pas à une origine royale ou spirituelle. Et c'est comme ça que Dieu, en vous connectant à un père spirituel, le Seigneur veut vous déconnecter physiquement, spirituellement plutôt, d'une origine qui vous complique et qui vous détruit en vous connectant à une origine royale. Et ça, beaucoup de gens ne comprennent pas. Est-ce que vous savez que dès l'instant où vous vous mettez sous mon autorité, le monde spirituel reconnaît aussi ma présence sur vous? C'est pourquoi vous verrez deux fois, il y a des démons qui disent que quand on veut t'attaquer, on voit la porte autour de toi. Comment ils me voient? Moi, je suis dormir à la maison. C'est parce que spirituellement, le monde des esprits connaissent les couvertures spirituelles. Ils connaissent. Mais c'est seulement les chrétiens qui pensent que je peux aller dans toute l'église. Tout le monde est un homme de Dieu. Tout le monde peut... Mais ce n'est pas tout le monde qui est reconnu comme une couverture dans le monde de l'esprit qui peut couvrir l'âme. C'est pourquoi la Bible dit, vous devez de la déférence à eux parce qu'ils veillent sur vos âmes. En d'autres termes, chaque fois que le monde des ténèbres vient, il trouve l'image spirituelle de la personne qui prie constamment pour toi. Ils ne vont pas voir ton père. Parce que ton père, tu peux avoir un père biologique, mais qui ne prie pas pour toi. Parce que ce n'est pas sa responsabilité de prier pour toi. Il y a des parents qui ne prient pas pour les enfants. Oui. Et même s'ils prient, peut-être qu'ils ne prient pas selon le principe du royaume. Ou il n'a pas la connaissance de tes batailles. Il y a des parents sur qui j'ai fait la délivrance. Je lui ai informé les choses de son origine. Il s'étonne, il se dit, ah, depuis que je suis sur la terre, je n'ai jamais entendu ça. Parce que spirituellement, physiquement, il est âgé, mais spirituellement, c'est un enfant. Il ne comprend pas les réalités du royaume. Et l'apôtre Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Vous voyez, quand vous avez vraiment l'amour, rien ne peut vous séparer d'une chose. Et quand vous êtes fils dans l'église et que vous êtes attaché, vous devez savoir que tout peut arriver. Et même si tout arrivait à cause de l'amour inconditionnel, rien ne peut vous séparer. Je suis très content quand comme là récemment, je disais à Maman Grace, quand je suis parti au Congo la semaine passée, je suis content, j'étais en train d'enseigner le leadership. J'ai vu des enfants spirituels que j'ai encadrés il y a 16 ans qui ont quitté l'ICASI, qui sont venus avec moi. Quand je parle de 16 ans, ça veut dire que je les ai tirés du monde, j'ai commencé à les encadrer, ils ont été à mes pieds, jusqu'aujourd'hui, ils sont avec moi. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas connu? Pourquoi ils ne sont pas partis? C'est parce que là où il y a l'amour, l'attachement est automatique. Et même quand les crises viennent, les crises ne me séparent pas de mon père spirituel. Ça fera très beau et ça me réjouira si dans 30 ans,
j'aurai certaines personnes entre vous avec moi. Il y en a qui disent, ah, hein? Tantôt ou pas cap. Est-ce comme ça qu'on est en train de faire un documentaire des papas à l'ICASI, parce que bientôt c'est la dédicace cette année. On est en train de faire. Dans le documentaire, il y a une partie où on est en train de remercier les gens qui ont fait 35 ans, de 30 à 35 à côté des papas. C'est formidable. Il y a presque tous en collège des anciens. Et tous, presque tous, ils ont 30 ans et au-delà. Et il y a ma Modestine qui était venue ici, elle est entrée à l'église, elle avait 18 ans et aujourd'hui elle a 57 ans. Et qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu? Mais c'est seulement dans notre génération, quand quelqu'un a fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, il s'est dit j'ai traîné dans cette église-là. Maintenant, il y a des gens qui ont fait 24 à 25 ans. Et je connais un papa, dont papa m'avait montré, et une maman, et ils sont déjà presque à 35 ans. Donc, je me dis, ah, comment ces gens sont? J'ai compris que c'est l'attachement, c'est l'amour. Dis à ton voisin là où il y a l'amour. Et dis-lui très bien l'amour véritable. Il y a l'attachement. Toi, pour servir cette autorité du Père spirituel, il faut faire confiance. Je répète, il faut faire confiance au Père spirituel et en ses paroles. Il faut faire confiance au Père spirituel et croire fortement en ses paroles. Il ne faut pas prendre à la légère les paroles. Le danger de vous, les fidèles de l'église locale, les dangers que vous courez parfois, c'est de s'habituer à une onction, s'habituer à un homme de Dieu, s'habituer aux déclarations d'un homme de Dieu. Donc, comme tu sais que tu m'as écouté mercredi, tu m'as écouté vendredi, tu m'as écouté dimanche, tu prends l'habitude de m'écouter et de ne plus donner de l'intérêt beaucoup de fois à ce que nous disons. Et c'est comme ça que vous perdez. Et quand vous regardez certains endroits où nous partons, la gloire que Dieu libère, ce n'est pas que vous êtes différent d'eux, c'est seulement qu'eux ont la foi. Et parfois, les gens de l'église locale s'habituent à l'onction. Ils s'habituent à une grâce. Ils s'habituent à un homme de Dieu. Et dès cet instant-là, vous n'avez plus la foi dans les déclarations. Si tu veux servir sur l'autorité d'un père spirituel, dis à ton voisin, il faut avoir la foi. Et la foi en ses paroles. Quelqu'un dit amen. Oui, il ne faut pas venir me dire ici, oh papa, non, là alors vous changez les Écritures. La Bible dit qu'il faut avoir la foi en Dieu, la foi dans la parole en Dieu. Mais comment vous dites ça? Allons-y dans les Écritures. Dès Chroniques chapitre 20, verset 20. Parce que les gens sont devenus trop dans la réflexion, mais tout en oubliant les principes du royaume. Tout en oubliant les principes du royaume. Le même Dieu là, dont tu dis, il faut croire en lui, il ne faut pas nous amener à croire à un homme. Le même Dieu dit, croyez à mes prophètes. Et croyez en leurs paroles et vous réussirez. Ce n'est pas un homme qui dit ça, c'est Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Croyez à mes prophètes et vous réussirez. Il a dit que Dieu veut que tu aies la foi dans un homme de Dieu. Où est-ce que j'ai tiré ça? Genèse chapitre 22, 7 dit quoi? Et alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père, il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Le père répond, il dit, Dieu s'éprouvera lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Le fils n'a pas dit, oh, mais où est l'agneau? Je ne crois pas en ce que tu dis. Ça va être comment? Il n'a pas fait trop de réflexions. Il a seulement cru que ce que le père a dit arrivera. Et vous voyez maintenant la conséquence? La foi dans les paroles du père spirituel engendre la provision divine. Parce qu'arrivé maintenant à la croix, là où il n'y avait pas d'agneau, paf, l'agneau apparu. Amen. Parce que quand vous croyez dans la déclaration d'un père spirituel, vous provoquez la provision de Dieu. Amen. Et dès l'instant où vous n'avez pas la foi dans les choses que je vous dis, vous allez être une personne ordinaire sans miracle dans l'église. Et les nouvelles personnes qui viendront avec une foi fraîche recevront les miracles. Et toi qui es ancien, qui s'est habitué à l'onction, tu resteras sans miracle. Et la Bible dit, ce qui m'étonne parfois avec l'incrédulité, c'est que l'incrédulité est très puissante. Hein? L'incrédulité est très puissante.
Et je vais vous prouver que l'incrédulité a la capacité de diminuer et d'écraser la présence des miracles et d'une onction dans une église. La Bible dit que Christ n'a pas fait beaucoup de miracles dans sa patrie à cause de l'incrédulité de ses frères. Regardez, Christ est Dieu. Il est souverain, il ne dépend pas de vous pour opérer un miracle. Mais dans cette contrée, il a été bloqué dans la multiplication de plusieurs miracles parce qu'il n'y avait pas de foi. Donc là où les gens n'ont pas une grande foi, il n'y aura pas beaucoup de miracles. C'est pourquoi il y a des églises aussi où je pars, je prêche. Il n'y a eu que peut-être 2-3 miracles. Ce n'est pas moi, j'ai fait la même préparation spirituelle, j'ai cherché Dieu. Mais vous allez dans une autre église, vous prêchez comme ça, des miracles en cascade, des délivrances en cascade. Le problème, c'est l'état des cœurs. Ce n'est pas l'onction de l'homme de Dieu, c'est l'état des cœurs. Dans un cœur et dans une église où il n'y a pas la foi, où les gens sont habitués à l'onction, ils sont habitués, ils prennent à la légère les déclarations de l'homme de Dieu, il n'y aura pas de miracle. Parce que Dieu n'opère pas là où les gens s'habituent à la grâce. Vous êtes invités dans cette église? Ne prenez pas à la légère mes déclarations. Ne prenez pas à la légère mes remarques. Ne prenez pas à la légère. Et puis, il faut éviter d'être hypocrite. Il faut éviter d'être hypocrite. C'est-à-dire, devant moi, tu acceptes, mais à l'intérieur, tu refuses. Comme Jésus lui-même dit, ce peuple est mon ordre de lèvres. Mais leur cœur est loin de moi. Quelqu'un peut dire amen. Et Dieu veut que chacun de vous apprenne à augmenter la foi dans les déclarations du Père. Et puis la foi dans les paroles du Père provoque l'action de Dieu. Dis après moi l'action de Dieu. Vous voyez, l'ange est apparu sur la montagne pour permettre à ce qu'Abraham voie les béliers, parce que déjà, le Père l'avait déjà déclaré en bas, que Dieu fera quoi? Il pourvoira. Donc cette parole-là avait déclenché déjà l'ange pour les attendre au niveau de la montagne. Donc les déclarations de l'homme de Dieu activent l'action des anges. Et quand vous dites amen et vous avez la foi, il y a une activation spirituelle qui se passe. Quatrième chose, je tends déjà vers la fin de mon enseignement. Pour servir sur l'autorité d'un père, oui? Quatrième principe, oui? Oui, quatrième principe pour servir sur l'autorité d'un père, spirituel à la taille, bien sûr, d'Isaac. Il faut se livrer en sacrifice devant Dieu ou se donner comme un sacrifice devant Dieu. Il faut se livrer en sacrifice. Ou se donner en sacrifice devant Dieu. Nous allons bientôt finir. Écoutez, lorsqu'il fut arrivé, ça c'est le verset 9, je pense. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu avait dit, Abraham, il éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Qu'est-ce que vous voyez? Il y a deux expressions. La première expression, Abraham sacrifie. Mais la deuxième expression, Isaac aussi se donne lui-même en sacrifice. Vous n'allez jamais servir sous l'autorité de votre père spirituel si vous n'avez jamais pris la décision de vous donner comme un sacrifice à Dieu. Et quand je lis ma Bible, le concept de sacrifice était évolutif. C'est-à-dire, ça a connu une progressivité. Et la progressivité dont je parle, c'est que Dieu a pris le temps dans sa parole d'améliorer les concepts et la révélation du concept de sacrifice. Et je vais vous le présenter en trois dimensions. Mais la dimension déjà d'Isaac, c'était l'apogée. C'était déjà la plus haute dimension du sacrifice dont Dieu révèle dans le Nouveau Testament. Et je vous donne l'exemple. Je commence avec Moïse. Avec Moïse, quand tu pêches, qu'est-ce qui se passe? Tu dois donner quoi? Un sacrifice. Ça dit, ce n'est pas l'homme qui se répand. L'homme lui reste sans repentance, mais il amène juste un sacrifice, un animal qui doit subir le coup de son péché. Et il n'y avait aucune transformation à ce niveau. C'est pourquoi, même quand dans l'Ancien Testament, ils faisaient les sacrifices pour leur péché, ils ne changeaient pas. Et ça, c'est la première dimension. Maintenant, quand vous allez avec Samuel, Samuel élève la dimension de la révélation. Il quitte maintenant de la dimension
d'un simple sacrifice, il dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. En d'autres termes, donner seulement un sacrifice, qui était la première dimension que Moïse avait découvert, ne suffisait pas. Mais au-delà de tout, c'est l'obéissance de la personne à Dieu qui vaut mieux que le sacrifice qu'il amène. Et là encore, c'était la marche. Maintenant, c'est l'apôtre Paul qui amène maintenant l'apogée, qui amène maintenant la troisième dimension qui est la plus grande. Dans Romains chapitre 12, il dit, au lieu d'être à la dimension de Moïse, au lieu d'être à la dimension de Samuel, soyez à la dimension où vous offrez vous-même vos corps comme des sacrifices agréables. Et c'est pourquoi j'ai dit, Isaac a donné déjà cette dimension de sacrifice dans l'Ancien Testament avant Moïse, avant Samuel, déjà à la taille de l'apôtre Paul. Et vous n'allez jamais, je le dis bien, vous n'allez jamais servir Dieu dans une église locale sous la condition d'un père si vous n'êtes pas encore un sacrifice. Et vous devez savoir dans votre esprit, il y a cinq choses qui caractérisent un fils qui s'est déjà sacrifié ou qui est un sacrifice. Cinq choses. Si vous êtes un sacrifice comme Isaac, devant Dieu, il y a cinq choses qui doivent caractériser. Un, première chose qui caractérise une personne ou un fils qui s'est sacrifié, c'est la disponibilité. Quelqu'un répète à moi la disponibilité. Celui qui s'est déjà donné en sacrifice est disponible. Disponible pour chanter, disponible pour prêcher, disponible pour être à l'église, disponible. Il est disponible. C'est pourquoi on a pris le fils, on l'a mis sur l'altar. Il n'a pas fui. On l'a pris de la maison vers le bas de la montagne, il n'a pas fui. On l'a amené, on l'a ligoté. Imagine-toi ton père à toi propre, tel que je te connais. Comment ça t'est ligoté? Tu vas te rappeler que tu as fait les boxe, tu as fait les karaté et que tu pouvais faire les self-défense. Mais parce qu'il était une offrande et un sacrifice, il a fait preuve de disponibilité. Dès l'instant où vous venez dans une église locale sous la condition d'un père spirituel et que vous voulez servir, vous devez passer à la dimension de vous donner comme un sacrifice. Et si vous ne vous êtes jamais donné un sacrifice, vous ne reflétez même pas dans le plan de la spiritualité à la taille de Christ. Parce que Christ, quand il est venu, il dit, c'est lui qui gardera sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, il la retrouvera. Que celui qui veut me suivre se charge de sa propre croix. En d'autres termes, il n'y a pas de vie chrétienne sans sacrifice. Et puis, pas seulement la disponibilité, mais deuxième chose, c'est la flexibilité. Dis après moi, flexibilité. Tout celui qui est sacrifice sous l'autel de la volonté de Dieu doit avoir ce qu'on appelle la flexibilité. Maintenant, regardez ce qui se passe. J'ai besoin. Mon petit, je sais qu'il est concentré au jeu. Viens. Come here, my boy. I need you. Come, my friend. I'm not going to sacrifice. Come here, my son. Come here. May you lie down here. Great. Go down. Il a une grande résistance. Yes. Isaac est sous l'autel. Pas seulement qu'il est disponible en tant que sacrifice, mais regardez ce qui se passe. La flexibilité, c'est quoi? On le ligota. Il ne fait rien. Il ne respecte pas. C'est un vrai Isaac. Vous ne devenez pas sacrifice sous l'autel de Dieu si vous n'êtes pas flexible au mouvement spirituel de votre Père dans l'église. Quand je dis allons-y dans les 24 heures de prière, tu ne réfléchis pas. Quand je dis faisons 3 jours de retraite, tu ne réfléchis pas. Venons mercredi, tu ne réfléchis pas. Parce que tu es un sacrifice. Un sacrifice a la flexibilité d'aller dans n'importe quelle direction, dans n'importe quel mouvement. Et beaucoup de gens ne font pas ce que j'ai dit parce qu'ils ne sont pas encore sacrifices. Très flexible. Sacrifice. Et c'est pourquoi la Bible dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux. Je ressemble. Oh,
Pour savoir, quand vous êtes sacrifice, ça vous fera mal. Ça vous fera mal. Oui. Tu es sacrifice, il y aura des choses qui vont te faire mal. Oui. Quelqu'un dit amen. C'est ça. Et puis, troisième des choses qui caractérise un sacrifice, c'est la mort à soi. Self. Self what? Death. Ou la, le fait de mourir à soi, voilà. The fact of dying to self. Yeah, c'est ce que je voulais dire. La mort à soi-même. Vous ne pouvez pas servir si vous n'êtes pas encore mort. Et quand je parle de la mort à soi-même, je fais allusion au brisement du caractère. Je fais allusion au brisement des comportements charnels. Je fais allusion au brisement du toi sous l'altar de la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi le fils n'a pas dit j'ai des programmes. Le fils n'a pas dit non, je résiste. Père, toi, qu'est-ce que tu veux dire? Je refuse, je veux pas. Il était déjà mort à lui-même. La Bible dit, celui qui ne peut pas renoncer à soi-même n'est pas digne de moi. Est-ce que tu es déjà mort? Dis, tu es déjà mort? Grâce. Michel. Fils. Si Emmanuel se lève aujourd'hui contre toi et commence à te parler à mal, et puis tu sens que tu commences à trembler, tu vas frapper parce que quelqu'un est déjà mort, il ne réagit pas. Mais quand je regarde dans mon église, beaucoup de gens ne sont pas encore morts. Et vous n'irez jamais loin si vous n'êtes pas encore mort. La Bible dit, crucifiez vos membres. C'est de quelle crucifixion la Bible parle? La Bible parle de la crucifixion de vos désirs charnels. Ça parle de votre comportement charnel, des mauvais comportements que vous avez peut-être eu dans votre environnement quand vous grandissez. L'orgueil que tu as bâti. Vous savez, il y a des gens qui ont décidé d'étudier beaucoup pour devenir orgueilleux et dire que les gens ne vont pas jouer avec moi sur la planète. Et le jour où tu viens à l'église, on doit t'envoyer que tu dois courir vite. Sauf si tu es déjà mort. Pose la question à ton voisin. As-tu déjà connu la mort? Je vais vous faire voir une chose. C'est seulement le jour où Jésus-Christ a été baptisé dans l'eau que le ciel s'est ouvert. Mais vous, les pentecôtistes, vous prêchez d'abord. C'est parce qu'il a prié. C'est pourquoi le ciel s'était ouvert. C'est faux. Avant que Jésus ne prie, il a été d'abord quoi? Baptisé. Or, le baptême, c'est la mort. C'est la mort. Et si vous n'êtes pas encore mort, le ciel ne va pas s'ouvrir, Dieu ne va pas parler, et puis l'Esprit de Dieu ne va pas confirmer le royaume sur vous. Pose la question à ton voisin chaque fois. Si tu n'es pas encore mort, par rapport à ton caractère, par rapport à ta vie, par rapport à la mondanité, par rapport à la rancune, par rapport aux jalousies, par rapport à l'orgueil, par rapport à toutes ces choses qui prouvent la chair en toi, sache que tu n'es pas encore un sacrifice. Est-ce que tu peux accepter que je te fasse des remarques sévères sans que tu ne te fâches? Marie, tu fais une histoire qui m'énerve. Je t'appelle au téléphone, ma voix, tu sens comme si c'est quand je prêche au stade. Et puis le jour suivant, c'est mon anniversaire, tu m'amènes les cadeaux. Dis à ton voisin, il faut mourir. Et puis, dernière chose, l'humilité. Dis à pour moi, l'humilité. L'humilité. Hein? Avant-dernière? Ok. Je vais vous donner, non? Je vous ajoute, non? Vous ne voulez pas? Ah, ok, ça va. Non, je vais donner ça en dernière position. J'ajoute l'humilité. Dis après moi l'humilité. Je dois vous dire la vérité.
Il n'y a pas une grande onction dans un corps orgueilleux. La grande onction de Dieu repose dans le cœur humble. Et l'une des raisons pour lesquelles nous souffrons aujourd'hui, avec des églises dans lesquelles il y a des hommes, des serviteurs qui n'ont pas d'onction, ce n'est pas qu'ils ne gênent pas. Ce n'est pas qu'ils ne prient pas. Beaucoup de gens prient. Quand je regarde les Congolais, quand je regarde les Nigériens, beaucoup de gens prient. Mais le problème, c'est qu'il y a encore l'orgueil. Il y a trois choses qui détruisent le serviteur noir, l'Africain en particulier. Ce qui les détruit, un, c'est l'orgueil. Deux, l'amour de la gloire mondaine. Femme. Quand vous travaillez pour être connu, quand vous travaillez pour être célèbre, ça ne rencontre pas les motifs de Dieu. Et puis, quand vous travaillez, mais vous êtes orgueilleux dans l'intention qu'on vous voit et qu'on sent que vous êtes capable de faire ça, vous êtes tout ça. Il y a un problème. La grande onction de Dieu ne peut pas reposer sur vous. Et la dernière des choses qui fait que Dieu ne répand plus la grande onction dans l'église, c'est l'amour véritable. Pourquoi Dieu va te donner toi une grande onction pendant que tu as la haine dans le cœur? Pourquoi Dieu va donner une grande onction pendant que toi, tu ne pardonnes pas les gens qui t'ont offensé? Aujourd'hui, tu évites les personnes avec qui vous avez eu des problèmes. Même pour le saluer, tu refuses. Comment Dieu va déposer la grande onction? Même si tu jeûnes, même si tu pries 24 heures sur 24 heures, la grande onction n'est pas venue sur toi. Et c'est pourquoi j'ai appris dans mon ministère, Dieu m'a dit, toutes les fois que tu pardonneras et toutes les fois que tu travailleras pour le compte de mon royaume, je te remplirai. Et je vous dis, la disponibilité, la flexibilité, la mort de soi, l'humilité, et la dernière chose, l'obéissance sans murmure. Ce que j'ai dit au premier culte, il y a moyen d'obéir, mais avec murmure. Quand tu es il obéit, mais il a nona nona, inside. Tu fais un travail que je t'ai demandé, mais tu n'es pas d'accord. Et la Bible dit quoi? À ma gauche, vous allez m'aider un peu. Aide-moi un peu avec ce verset ici. Donc, celle, toi, tu me cherches, c'est par là qu'on clôture. Donc, celle, tu me cherches, Philippiens 2, 14. Mais Maman Grace m'aide avec Matthieu 21, 27 à 31. Écoutez. Nous les savons et il leur dit à son tour. Moi non plus, je ne sais. C'est Matthieu? C'est Matthieu? Oui. Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité j'ai fait ces choses. 28. Écoutez maintenant. Que vous en semblez. Un homme avait deux fils et s'adressa au premier. Va travailler aujourd'hui dans ma ville. Écoute. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se rendit et il se répandit et il alla. Vous voyez, celui-ci a d'abord refusé d'obéir et puis enfin, après, il s'est répandit. Puis il fait quoi? Il alla. Maintenant, regardez les seconds. Il dit à la même chose. Et le fils répondit, je veux bien Seigneur. Et il n'alla pas. Qu'est-ce que vous voyez? L'autre a accepté d'obéir. Il a refusé plutôt d'obéir. Et puis après il s'est repenti, puis il a obéi. Mais l'autre a accepté. Et puis il n'a pas obéi. Ce sont les deux types de personnes qu'on a dans les églises. Ceux qui acceptent avec la bouche auprès du pasteur qui vont faire telle chose. Mais après, ils ne le font pas. Et puis, ceux qui refusent de le faire, après, ils se répandent pour le faire. Je préfère celui qui est en deuxième position. Plutôt en première position. Celui qui a refusé, il s'est repenti et puis il l'a fait. Au lieu de celui qui accepte pour ne pas le faire. Et derrière là, c'est le profil de l'hypocrite. Bienvenue dans le Seigneur. Vous avez vu noir sur blanc
Comment est-ce que... Yes. Oui, vas-y, vas-y. Faites toutes choses sans quoi? Si vous voulez être béni dans l'église, suivez le profil d'Isaac. D'un vrai fils. Il prend les fardeaux du père. Il a confiance dans les paroles du père. Il est attaché au père physiquement. Au-delà de tout, il est un sacrifice. Et dès l'instant où vous êtes ainsi, je n'ai pas besoin de vous dire que Dieu va vous bénir. Parce que ce qui va suivre, c'est simplement les effets de votre soumission. Que le Seigneur Dieu bénisse. Thank you.